En cette soirée du 14 juillet, ils étaient sortis boire un verre, danser ou regarder le feu d'artifice et ils ont vu l'horreur dans les rues de Nice. Abasourdis, ils témoignent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un coup de poing éclaté de 3 mètres. Un camion est arrivé, il a foncé sur tout le monde. Sur tout le monde ! Pas la sécurité ! Les pompiers, ils ont mis 25 minutes de lumière à arriver. Mais c'est un camion qui a foncé. Qui a foncé dans la rue. On est à 3 mètres. On a foncé sur un camion. Ici, ça s'est passé. Ça a tiré aussi. Il est 23h passé, le feu d'artifice vient de s'achever. Un camion surgit sur la promenade des Anglais. Mouvement de foule, écrasé par tout le monde qui courait, la panique. On se retourne devant, derrière, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde qui crie, qui pleure. Autre témoin de la scène, l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi. Un camion avec un conducteur qui, de toute évidence, a conduit une action totalement structurée et préméditée. Et donc, qui nous permet peut-être d'en tirer quelques conséquences. Il semblerait qu'il ait fait usage d'une arme par la fenêtre. C'est dans ces circonstances-là qu'il a été abattu.